Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starbound. Alors, si vous vous souvenez, nous avions pris place autour de cette planète qui est une planète forestière. Et nous allions y descendre pour y trouver et du tungstène pour se faire de meilleures armes et armures. Et peut-être des ruines floranes pour trouver l'artefact qui est la quête principale, tout simplement. Du cuivre, hein. Bon, c'est pas terrible ça. Je vais pas le miner en fait. On va gagner du temps. Ici, il y a un feu de camp. Je pense que c'est une bonne chose parce que j'ai oublié le mien. Ceci dit, ça prouve que c'est habité. Je vais récupérer également l'arbre parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris de bois et ça me permettra en même temps de récupérer. Tout simplement l'espèce d'arbre en récupérant les saplings, donc les graines de l'arbre. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y en a deux côte à côte, ou c'est l'arrière-plan qui est comme ça, c'est qu'il est éclairé peut-être par le. Voilà, bon, il y en a plein. J'en récupère quelques-uns, c'est bien suffisant. Et je vais tuer le plus de monstres possible à l'arc pour essayer de récupérer de la nourriture, parce que j'en ai plus énormément. Alors, très bien, bah voici une grotte. Bon, alors, je vais peut-être finalement quand même passer à l'arme une fois dans la grotte. Parce que le monstre m'a fait assez mal. Hein, j'ai perdu la moitié de ma vie alors que j'ai juste de rentrer. Je sais pas si j'ai gardé sur moi le lican. Normalement oui. Je vais le mettre et je vais m'en servir régulièrement je pense. Ah merde, je suis empoisonné. Alors rapidement si possible. Ça va, ça dure pas très longtemps. Alors oui, donc. Nouveau empoisonné. Ah c'est au sol, j'avais pas fait gaffe. Je pensais que ça venait des gouttes. Bien le sol, donc il faut que je fasse attention. La caverne est empoisonnée, donc c'est pas très bon signe, c'est pas terrible du poison. Par contre, comme je peux récupérer les liquides, je vais en prendre un peu au cas où, on sait jamais. Ça peut peut-être servir à améliorer des armes par exemple. Dans le doute, mieux vaut en avoir un échantillon. Et puis je sais que. C'est que je peux en retrouver dans cette grotte ou sur la planète en général. D'ailleurs, c'était pas inscrit dans les indications qui donnaient tout ce qui est météo. On voyait pas que la planète possédait du poison bas dans les informations générales non plus. Ici, ça doit être de l'argent. C'est de l'argent. Ouais. Ah, ici on a des feuilles. Alors normalement je remonte pas trop, mais là je vais quand même aller voir parce que peut-être que c'est des ruines. Non, c'est juste d'accord, c'est juste comme ça. Alors je vais profiter que mon arme de tir soit à une main
pourrais y mettre la torche pour pouvoir remettre des blocs. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que j'ai de plus? Ça, j'en ai beaucoup. Ah, et du coup, j'ai la lampe et l'arme dans la main. C'est très bien, en fait. C'était pas fait exprès, mais c'est très bien. Ça me permet de voir vers où je tire. Du poison, bien sûr. Donc ça peut me permettre d'évoluer dans le noir tout en tirant sur les monstres pour pas qu'ils me surprennent. Alors évidemment, je me suis mangé un malus. Le poison est là. Alors pourquoi j'utilise mon lit et que j'utilise pas simplement des bandages? C'est parce que je n'en ai plus beaucoup. Il me reste 5 bandages en tout. C'est des bandages qui se font en une seconde. Donc, je puisse refaire des saves, mais... Non, il me faut des fibres. Alors, il faut que je récupère des fibres pour pouvoir faire des saves. Je m'en servirai pour progresser en gagnant du temps, parce que si je m'arrête toutes les 2 minutes pour me reposer, ça va être très long. Je vais remonter un tout petit peu, du coup, parce que j'en avais vu... J'en avais vu plus haut. Oh, j'ai récupéré un objet, tiens, là-dedans. Il me semblait que c'était que des pixels. Et puis je reviendrai ici pour creuser, et je pense que je m'en servirai de points. On a vu que c'était très utile. Il me semble avoir dit que les monstres pouvaient prendre peut-être des dégâts de chute et que ça nous permettait de les tuer en les poussant des falaises. C'est faux. Il vient de tomber d'assez haut, je pense. Donc ça a l'air de ne pas être le cas. C'est trop. Je peux redescendre. C'est pas du tout. Je me rends compte que c'est pas du tout la bonne chose que j'ai enlevé. Il faut absolument que je garde mes bandages. Au cas où. Alors, combien je peux en faire? Je peux en faire 14. Je vais en faire 10 pour garder un peu de fibres au cas où j'en aurais besoin pour autre chose. Et je vais les mettre là en première position. Voilà. Et donc je vais me mettre à creuser. Oh, il y a quelque chose de bizarre là sur la droite. Aussi. Alors apparemment je suis arrivé au bout. Ouais. Je vais pas creuser bêtement vers le sol. Je vais d'abord ouvrir. D'accord, donc ça c'est dangereux. Voilà, c'est plus dangereux. Ça serait bien du tungstène, ça ressemble pas du tout à du... Ça ressemble un peu à de l'argent en fait, mais la forme n'est pas pareille. Et c'est du tungstène, tout à fait. C'est très bien. Donc je vais récupérer mes premiers... Je mine mes premiers gisements de tungstène. J'ai ma pioche qui devra accélérer le minage par rapport. Alors la pioche est là. Je sais pas si elle descend vraiment en durabilité. Peut-être que c'est plus long que ça. Pour le moment on voit rien.
Bon, si ça descend pas, tant mieux. Hein, ça... Si ça me permet simplement. Mais je pense pas, c'est inconsommable, à mon avis, surtout que. Surtout que ça dit que ça dure pas très longtemps sur le sur la description. Oh, il y en a partout. Alors ça c'est de l'argent par exemple. Mais c'est plus rond. Alors, à manger. Il va falloir que je fasse ça. Je le reprends donc par là. J'ai dit que c'était de l'argent. Ça, c'est peut-être du tungstène, mais je crois que c'est de l'argent aussi. Tungstène, ah non, c'est bon. Ça, c'est faut pas le miner. Faut le il faut pas le miner, il faut le détruire. Si on le mine, je suis pas sûr qu'on récupère ce qu'il y a dedans. Oh, il y a encore des petits trucs, c'est bizarre, c'est l'arrière-plan qui est comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une grotte, d'accord. Je vais repartir de l'autre côté. Je crois qu'il reste un peu de tungstène. Non, je me trompe, ça doit être de l'argent, je vais vérifier quand même. Alors, donc c'est bien de l'argent. J'ai eu une carapace. Ah, j'en aurais peut-être besoin pour faire les armures plus hautes. C'est une torche quand même. Hein. C'est très inefficace à cause de la dispersion. Ça fera plus mal de tirer si je le touche. Chose. Ils sont bloqués par pas grand chose quand même là. Pas beaucoup d'angle de tir non plus. Je peux peut-être y aller. Un marteau. Ah ouh, il a sauté. Il a sauté. Alors ça, est-ce que ça se mine? Non, c'était de la cobblestone. Et par là, je remonte après. Donc, je vais retourner à gauche. Et je vais aller vérifier ce qu'il y a dans ces grottes. Je pense que je vais descendre. Je ne peux pas récupérer de la viande de fantôme. On est d'accord ? Bon, normalement les fibres c'est pas une matière trop rare, hein. On en trouve dans toutes les grottes en... Alors on les trouve pas profondément enfouies, je ne pense pas que ça, si ça existe c'est rare. Par contre on en trouve facilement à l'entrée des grottes. Et donc l'entrée des grottes c'est pas très dur à trouver. Ça c'est encore de l'argent. Ça c'est du tungstène. Ah ça c'est... Ça doit être du... Des blocs champignons. Je vais
mettre en dessous pour être sûr. Parce que si je creusais, oh, je vais mourir. Aïe aïe aïe. Je ne suis pas mort. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Je vais récupérer des champignons, ça c'est bien. Ça me donnera un peu à manger. Bah, je vais remonter. Hein. Et du coup, j'en ai mis partout, en essayant de me sauver la vie. J'ai voulu me les mettre sous les pieds, en fait, pour arrêter de tomber. D'accord, bon. Ça, c'est encore l'air d'être de l'argent. Hein. Moi, c'est du tungstène que je veux. Silver. Bon, il y en avait plus haut, donc je vais remonter quand même. Et donc ça, c'est bien des blocs champignons. Bon, c'est uniquement l'esthétique qui change. Voilà, il y a du tungstène. J'ai pas récupéré beaucoup de... Ah, c'est parce que je suis tombé, je me suis pas soigné. La torche qui éclaire le tungstène caché. Le fer, je récupère un peu par habitude. Il me semble que avant le fer était un matériau très précieux. On s'en servait pour beaucoup de choses. Bon, je commence à avoir un bon stock. Je pense que je vais récupérer celui-là. Et je vais m'arrêter. Par contre, je vais récupérer un maximum de champignons. Je les ramassais pas tous au début. Puisque ça coûte de faire un coffre. Un coffre champignon qui me donne le blueprint du coffre champignon. Je vais apprendre tout de suite pour ne pas oublier. Et je sais désormais faire des coffres champignons. Alors j'ai pas besoin d'aller tout au fond de la grotte, c'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'était de récupérer le tungstène. Donc plus j'irai loin, plus j'en trouverai. Mais j'en ai déjà pas mal là. Et il n'y a pas d'autres matériaux, on a vu qu'il n'y avait que du tungstène par rapport en plus par rapport aux autres. Donc si on regarde combien j'en ai récupéré, je suis à 54. Ça fait 27. 27. Il m'en faut beaucoup du tungstène quand même, parce qu'on fait toutes les améliorations avec. Donc finalement, j'en ai pas tant que ça. 54, c'est déjà bien, ça permet de faire les armures. Il y a quand même des veines de tungstène, donc de métal, hein, qui sont dans des blocs champignons. C'est assez étrange. Mais bon,
Les blocs champignons en soi, c'est déjà étrange. Pas des formations champignonesques. Que l'on appelle fongique. Alors, est-ce que... Non, ça c'est de l'argent. Je vais ici parce que je suis pas tout à fait sûr. On voit la différence, mais... comme les matériaux en arrière-plan n'ont pas exactement la même tête que... où je vais... Ouais, des fois je saute comme ça, c'est pas bien, ne faites pas ça chez vous. Ne sautez pas dans un précipice sans en voir le fond. Je compte sur mon double saut en fait pour me ralentir, sauf que comme c'est pas égal... je me retrouve... assez mal. Et je recommence. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Plus de grottes. Rien à voir avec Groot. Bon, le Taxten, j'ai l'impression qu'il s'appauvrit alors que je descends dans les grottes. Ça devrait être l'inverse. Peut-être que c'est parce que je mets moins de torches, je le vois pas, mais... Mais je parcours quand même des distances... assez impressionnante sur les... sur des fonds de grotte comme ça, il n'y en a pas du tout au fond. Alors, ah, ça c'est du tungstène. Ça doit être de l'argent, mais ça au-dessus c'est du tungstène. Ça c'est de l'argent. Ouais. Alors voyons ma pioche, où est-elle rangée? Ça a pas l'air de baisser en durabilité. Tant mieux. Hein. Peut-être que c'est juste une amélioration. On peut peut-être mettre différents outils et en fonction de l'outil, la pioche creuse plus vite les minerais, par exemple, et la pelle creuserait plus vite la terre. Bon, bah écoutez, on va descendre. Accrocher les torches quand même. Indiquer. Passage. Oh là. Donc ça c'est le danger. Vous voyez, je me suis arrêté à temps, mais il faut faire très attention. Ah, attends. Oh, je mets en... C'est quoi? C'est une sorte de forme... de forme de défense peut-être? Sorte de chrysalide. Et plus du tout de dégâts. C'est même pas moins. Plus du tout. Ah, il me crache dessus. Ça c'est méchant. Alors comment je vais faire ça? Ben je peux pas. Je l'évite. Oh là. Où ça va faire mal? Je le rate au dernier coup et il me met deux coups, ça fait très mal. Avec toi. Alors, je viens d'assassiner un caillou. Je vais manger un peu. Est-ce qu'on continue par là peut-être? Ah, je viens d'apprendre à créer des... Oula. Oh, oh, oh. Je viens d'apprendre à créer des briques de sable. Alors ça avait l'air d'être le bon endroit pour descendre. Parce qu'il y a l'air d'y avoir toute une grotte.
falloir que je pense à remonter aussi. Bon, on va s'arrêter là pour la descente. Je vais mettre deux torches pour indiquer que c'est l'endroit par lequel je dois revenir. Je vais quand même aller vite fait regarder par ici, par exemple, s'il y a ça. C'était de l'argent, c'est pas grave. C'est bien quand même. Ça va sûrement me servir un jour ou l'autre. Alors là, je vais avoir un peu de mal à remonter quand même. Là, je vais utiliser ça. Alors, suivons les torches. Pareil ici, ça va être un peu dur. Hein. Ça, c'est de l'argent. Rien, rien non plus. Ah, là, je suis embêté parce que il va falloir que je fasse d'abord un fond avant de pouvoir faire. Premier plan, ça ne passe pas, et en plus je me fais mal là. Ce n'est pas du tout par là. Je vais y aller quand même. Toucher de l'argent. De l'argent encore. Voilà, je viens d'ici. Ah, un phasmateur. Bon, c'est un composant de craft, je suppose. Ça... Je suppose qu'on ne cuisine pas du fantôme. Je dois être pas loin de la surface. Bah, j'entends même des petits oiseaux. Oh, c'est dur à creuser ça. Qu'est-ce que c'est? Grassy rock. C'est du... Des rochers avec de l'herbe. Et je remonte. Voilà. Et pour la prochaine fois, je vais déjà me placer à la maison. Je vais fondre le tungstène, on va se retrouver, je vais tout fondre d'ailleurs. Ouh, j'ai récupéré pas mal de fer. Je vais le récupérer ailleurs et ne pas le fondre. Et du tungstène, j'ai donc 40 barres. C'est pas mal, 40 barres, c'est correct, je vais pouvoir me faire l'armure sans problème, peut-être l'arme aussi. Je vais voir en... Je ferai l'arme et l'armure. Et ensuite, je verrai... que je fais du reste, si je fais la machine pour respirer dans les atmosphères non respirables, et ensuite je verrai s'il m'en reste pour faire peut-être des améliorations, je verrai, ou d'autres choix peut-être. On regardera ça la prochaine fois, et donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.